Bonjour, c'est Pierre Maumont. En immobilier, il est un conseil qui revient très souvent, c'est celui de cash flow positif. Plus précisément, en investissement immobilier, on nous conseille de faire des opérations avec du cash flow positif. Ce conseil est excellent. Il est d'ailleurs étroitement lié à la notion de rendement locatif élevé. Maintenant, il faut aller plus loin et la vraie question à poser, le vrai conseil, c'est cash flow positif, oui, mais pendant combien de temps ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous mes réflexions sur la question de la pérennité du cash flow et du rendement locatif dans la durée. Comme d'habitude, si ce thème vous intéresse, alors cliquez sur le pouce bleu vers le haut qui est en bas. Et si vous estimez que ce thème n'a pas d'intérêt, bien n'hésitez pas, cliquez aussi sur le pouce bleu qui lui est tourné vers le bas. Naturellement, je préfère que vous cliquiez sur le pouce bleu qui est tourné vers le haut. Alors, commençons la première étape de cette réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un cash flow ? Rappelons quelques définitions essentielles. Le cash flow, c'est la différence entre l'argent que vous sortez sur une période donnée, on va raisonner sur du cash flow mensuel par exemple, c'est donc la différence entre vos rentrées d'argent sur la période considérée et vos sorties d'argent sur la période considérée. Donc dans le cas d'un investissement locatif qui a été fait à crédit, le cash flow, c'est la différence entre, d'un côté, les loyers qui rentrent, sans les charges locatives, car les charges locatives, c'est un simple remboursement à partir de charges que vous avez vous-même avancées au syndic, donc on n'en tient pas compte. Donc d'un côté, ces loyers, et de l'autre côté, l'ensemble des charges de fonctionnement de votre opération, c'est-à-dire la taxe foncière, les charges de copropriété. Et même si vous n'êtes pas en copropriété, parce que dans un immeuble, vous êtes seul propriétaire, il y a quand même des charges d'entretien de l'immeuble. Probablement des charges, des honoraires de gestion locative, si vous avez confié la gestion locative à un professionnel, de façon à vous en dégager. Avec ces honoraires de gestion locative, il y a également des coûts de l'assurance qui couvre vos loyers en cas d'impayé ou en cas de vacances locatives. Je crois n'avoir rien oublié, voilà pour le fonctionnement. Et puis, puisque on est dans l'hypothèse d'un financement à crédit, il faut aussi enlever la totalité de la mensualité de crédit que vous remboursez tous les mois. Donc cette différence entre le loyer et l'ensemble de ses charges de l'autre côté, c'est ce qui correspond à la notion de cash flow. Autrement dit, c'est l'argent qui vous reste dans la poche si votre opération a été montée de façon judicieuse, ou c'est au contraire l'argent qu'il faut sortir de votre poche si votre opération a été moins bien ficelée. Le rendement locatif, en ce qui concerne cette notion-là, c'est une comparaison entre toujours le loyer qui rentre dans votre opération et le prix de votre immobilier. Alors on va être plus précis, c'est une fraction, donc un rapport. Au numérateur, vous avez les loyers net de charges, c'est-à-dire en fait le cash flow moins bien sûr le remboursement du prêt qui lui n'entre pas dans les considérations de rendement locatif. Donc ces loyers, le cash flow plus le remboursement du prêt, ça dépend dans quel sens vous mettez les signes et les additions. Et au dénominateur, le prix de revient de l'immobilier, c'est-à-dire le prix d'achat plus les travaux que vous avez faits, plus les frais de notaire. Alors à partir de ces définitions, on voit tout de suite qu'aussi bien le cash flow que le rendement locatif évolue dans la durée, tout simplement parce que les termes de l'opération, enfin des opérations de notation de résultat évoluent eux-mêmes. Les loyers ne sont pas constants dans la durée et les charges ne sont pas non plus constantes. Donc ça, c'est une étape essentielle pour bien saisir la problématique de la variabilité du cash flow et du rendement locatif net, autrement dit de la performance de votre opération d'investissement immobilier dans la durée. Le problème, et c'est la mauvaise nouvelle, c'est que les loyers dans la durée évoluent à la baisse, et je vais dire tout de suite ce que j'entends par évoluer à la baisse, et les charges, elles, évoluent à la hausse.
Alors comment ça, les loyers évoluent à la baisse? Vous allez me dire, mais les loyers sont indexés. Oui, ils sont indexés, mais ils ne sont pas indexés sur l'inflation. Ils sont indexés sur ce qu'on appelle l'indice qu'on appelle l'IRL, hein, l'indice de revalorisation des loyers, qui est calculé de manière toujours plus ou moins complexe, comme tous les indices, et avec une volonté qui est une volonté de type social, qui est de freiner la hausse des loyers par rapport à l'inflation. Autrement dit, dans la durée, votre loyer va augmenter moins vite que l'inflation, ce qui peut être dit par une formule simple que j'employais au début, dans la durée, les loyers baissent, en euros constants. Pour les charges, c'est le contraire, parce que autant vos loyers ne sont pas indexés sur l'inflation, autant vos charges, elles, le sont de facto, puisque l'ensemble des charges, ce sont des prestations que vous allez payer à des fournisseurs extérieurs pour entretenir l'immeuble ou pour effectuer les prestations de mise en location, de suivi, etc. Ces gens-là, évidemment, ne travaillent pas à perte dans la durée et donc vont revaloriser leurs coûts et leur prix de revient en fonction de l'inflation. Donc on a un numérateur qui fait comme ça, j'exagère la pente bien sûr, et on a un dénominateur qui fait comme ça. Donc ce qui veut dire que le rapport des deux, bah, lui, il fait comme ça. Et quand on essaie rapidement de mesurer à la louche l'ampleur des phénomènes, on se rend compte que la dégradation du rendement locatif et du cash flow vont être rapides, et que c'est l'affaire en fait de quelques années. Pourquoi? Parce que parmi les charges qu'il y a donc dans la mauvaise partie des termes de la comparaison, dans la partie qui est dans la partie qui est en soustraction quand on parle du cash flow, dans la partie qui est en division quand on parle du rendement locatif, il y a les frais de remise en état, le mot remise en état est parfois excessif, en tout cas les frais de rafraîchissement des appartements à chaque fois qu'un locataire s'en va. L'idée étant qu'il faut toujours être en capacité de louer vite et de louer à des personnes désirables en tant que locataire. Il faut donc offrir des biens qui soient non seulement en bon état, mais qui soient d'un aspect le plus proche du neuf. Ce qui veut dire que si vous avez un changement de locataire tous les 3 ans en moyenne, ce qui est en gros la moyenne, hein, on va dire que tout type de biens confondus, enfin du moins entre le T1, le T2 et le T3, vous avez des durées moyennes d'occupation qui sont de 3 ans. Bon, même si dans certains cas ça peut être 6 mois, dans d'autres ça peut être 10 ans. Mais si tous les 3 ans vous êtes amené à faire ne serait-ce que la repeinture de l'appartement, il n'est pas question de le faire soi-même, c'est anti-efficace, ça va contre la logique de l'investisseur, qui est de déléguer tout ce qui n'est pas du domaine de son cœur de métier. Vous aurez, le coût de repeinture d'un appartement de 40 mètres carrés, on va être à 3 500-4 000 €. Ben, 3 500-4 000 € si l'appartement était loué, mettons 350 ou 400 € pour prendre des valeurs qu'on a en France, en dehors des très grandes villes, on s'aperçoit que ça représente quelque chose comme 9 mois de loyer. Bon. 9 mois de loyer sur une période de 3 ans, c'est-à-dire sur une période de 36 mois, ben, ça fait le quart des loyers. Donc autrement dit, raisonnons sur le rendement, le dénominateur, lui, a augmenté de 25%, autrement dit, le résultat va baisser de 25%. Et si vous aviez, au début de l'opération, un bon rendement locatif net, par exemple de 8%, ce qui est déjà très bon, 3 ans après, du fait des travaux que vous aurez fait, enfin des travaux de rafraîchissement que vous aurez fait pour les besoins de votre performance sur le marché locatif, vous n'aurez plus que 6% de rendement locatif net. C'est pas pareil. Quant au cash flow, on va pas faire le calcul, mais c'est évident si vous augmentez la partie du côté droit, la partie de la différence de la ventilation, puisqu'on raisonne en mensuel, de la ventilation sur un mois de ce qui est matérialisé d'un seul coup au bout de 3 ans, il en prend un sacré coup, votre cash flow. Alors on comprend rapidement, sans même avoir besoin de poser les calculs, donc en quelques années, vous avez votre cash flow qui va devenir nul, et puis après négatif, et votre rendement locatif qui va passer de performant à correct, et de correct à mauvais.
Donc à partir de là, il faut réfléchir à la problématique qui est comment gérer au mieux un bien immobilier dans la durée. Donc je vous propose trois pistes de réflexion. Je commence à être fatigué, j'ai parlé, j'ai réfléchi, donc je vous demande vous de prendre le relais. La première piste de réflexion, c'est quels sont les moyens, les solutions qui permettraient de limiter le phénomène d'augmentation des frais d'entretien et donc de ralentir ce phénomène négatif de la baisse tendancielle du rendement et du cash flow. La deuxième piste, c'est tout simplement, on prend acte du phénomène et on en déduit qu'il y a un moment où le plus pertinent va être de vendre son bien immobilier. Donc c'est la deuxième piste à laquelle je vous demande de réfléchir. Essayez de trouver une règle. Pour ma part, j'ai évidemment une idée. Essayez de trouver une règle qui définisse, ou un critère, ou un ratio, qui définisse à partir de quel moment il faut se séparer d'un bien immobilier compte tenu de ce phénomène de baisse des performances locatives. Et puis, il y a une troisième réflexion que l'on peut ouvrir et que l'on doit ouvrir, et c'est pour ça que je vous ai parlé il y a peu de temps, je crois dans mon avant-dernière vidéo, des SCPI. Ne vaut-il mieux pas, compte tenu de cette réalité-là, considérer que dans beaucoup de cas, on n'échappera pas à une performance avant impôt, bien sûr, inférieure à 6%, voire même plus basse encore, au bout de quelques années, et plutôt que de s'exposer à l'ensemble des contraintes qu'il y a à faire de l'immobilier en direct, ne vaut-il mieux pas tout simplement investir dans de SCPI à crédit, puisqu'on part l'hypothèse qu'on a fait l'immobilier à crédit, pour faire du capital à crédit. Donc voilà les trois pistes que je propose. N'hésitez pas, et je vous sollicite pour le faire, à indiquer vos commentaires dans la zone de commentaires. Vos commentaires, c'est « moi je pense que, il faut faire comme si », ou « dans ton analyse, tu n'as pas tenu compte d'eux, ou tu as surpondéré ceci ou cela ». Autrement dit, ce que je voudrais, c'est qu'un débat se mette en marche pour faire avancer cette question. Voilà pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, compte tenu de la façon dont je l'ai traité, cliquez sur le pouce bleu. Et bien sûr, pour connaître la suite, puisque je vais, dans une prochaine vidéo, vous parler de la solution qui consisterait à basculer vers la SCPI dès le début, eh bien, abonnez-vous à la chaîne en faisant passer votre souris en bas à droite sur l'icône verte et bleue. La petite cloche apparaîtra et il vous suffira de cliquer pour vous abonner. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à bientôt.